Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle émission Twitch, la dernière sur ce mondial, et pour terminer en beauté, on a l'occasion d'avoir les frères Trey. Bonjour Yorick, bonjour Chassac, comment ça va? Chassa. Bonjour, ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Je vais vite rentrer dans le sujet. Ça fait quoi d'avoir dans l'équipe de France, d'être avec son frère, toi de le coacher et toi d'avoir ton frère comme coach? Bah, pour moi, le fait d'être ensemble, au final, c'est tout à fait naturel parce qu'on a eu une dizaine d'années ou plus en tant que coéquipier. Et puis au final, l'équipe de France, c'est un peu comme une grande famille. On se rencontre, en tout cas, c'est spécial et c'est unique. Et c'est des expériences qui sont fortes et riches à partager. Voilà, on est chanceux, ça, on s'en rend compte. Mais après, il y a quand même aussi une zone d'habitude et de confort. Et ça devient presque un peu c'est normal, en fait, d'être là, quoi, maintenant pour nous. Ouais, c'est exactement ça. Après, moi, ce que j'ai rajouté, c'est d'autant plus spécial quand on vit des belles émotions à travers des victoires. On a de bons souvenirs ensemble. Déjà, effectivement, comme je disais, si on prend avec du recul, c'est quand même assez rare. Ça se voit pas de partout, donc on profite de ça. Et comme je disais, sur les grandes occasions, c'est encore plus spécial de partager les émotions avec quelqu'un de sa famille. Ça, c'est pas si fréquent. Il y en a deux quand même dans l'équipe de France. C'est vrai. Il y a deux fratries. C'est vrai, c'est vrai. Et il y avait aussi les frères d'Acosta aussi. Donc, ouais. Les ouais. Ouais. C'est pas trop dur des fois d'avoir son frère qui te donne des conseils? Ouais. Non, pas du tout. Déjà, quand on est à la patinoire, ça reste le coach. Donc on prend ces conseils-là comme si c'était un coach. Et de deux. Encore une fois, il y a ce petit côté en plus de pouvoir parler en dehors, dire quelque chose qu'il a vu pour m'aider. Non, c'est que du plus, on va dire. Et toi, des fois, t'en profites pas un peu? Dans quel sens? C'est mon petit frère, je vais lui être plus direct ou... Non, pas vraiment. Après, je sais que ça, il peut prendre. Si je lui dis quelque chose, je sais qu'il est à l'écoute et je le sens, on va dire. Il est investi, il est à l'écoute, il est coachable. Et puis, d'une certaine manière, en étant le grand frère et en le suivant depuis tout petit, naturellement, j'ai toujours essayé un peu de lui donner des conseils, évidemment. Donc, au final, il n'y a pas grand chose qui change. Qu'est-ce que vous retenez de ce championnat du monde? Là, on est après trois matchs, quatre matchs. Dans le groupe, le jeu, l'un et l'autre. On n'est pas obligé de faire que de la langue de bois. Non. Non, mais je pense que c'est un peu mitigé. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses. Il y a un gros investissement. Les joueurs donnent beaucoup. Au niveau comptable, je pense que on pourrait être bien mieux. Pas avec des si. Je pense que voilà, en performant vraiment encore plus proche du maximum de nos capacités, je pense qu'on devrait aujourd'hui avoir plus de points. Donc il y a un petit goût amer pour l'instant, pour moi. C'est où que ça n'a pas fonctionné? C'est le match contre le Kazakhstan d'entrée de jeu où il a... Ouais, c'est des petits détails. On n'est pas bien rentré dans ce mondial. On n'a pas vraiment mis en place ce qu'on voulait faire. Et puis après, dans un mondial, si on loupe un tiers, on peut... C'est dur de gagner un match, il faut vraiment se présenter sur 60 minutes et on a manqué un peu de constance à travers ces 60 minutes dans les matchs importants. Plein de choses, la discipline, on a pris beaucoup trop de pénalités déjà, c'est un problème qu'on doit effacer, on en a parlé. Toutes ces petites choses-là, du bout à bout, font qu'on devrait avoir plus de points. Mais maintenant, on est là où on est, il faut vivre avec, être dans le présent. Ouais, c'est exactement ça. Si on met de côté le match hier soir, où même si il y avait un investissement de tout le monde, on s'est quand même bien fait marcher dessus. À côté de ça, les trois premiers, il y a effectivement un peu de frustrant dans l'effort, parce que je pense qu'on a tout donné quand même pour réussir ces matchs. On s'est donné les moyens de le faire. Après, c'est vrai que contre le Kazakhstan, c'est jamais facile. Il n'y a pas de match facile dans un mondial, donc en effet, quand on court après le score tout de suite, ça devient plus difficile. Mais frustrant au niveau des points et à la fois quelque part satisfait de voir qu'on est capable de jouer avec ces gars-là. Dans le match face aux États-Unis, tu dis on s'est fait marcher dessus, mais en face c'était quand même une équipe qui était avec 10 ou 15 NHLers.
hein, voire même la totalité. Ouais. Donc on se doutait que ça allait pas être simple. Non, c'est sûr, on savait que ça allait pas être simple. Et nous, nos plans de match à chaque fois, on veut quand même, gagner tous nos matchs. Donc on a le cœur de mettre l'effort pour y arriver. Et c'est vrai que directement, on a vu que c'était très très fort. Et là où on est déçu, c'est qu'on n'a même pas tant d'offensive que ça. On aurait espéré avoir peut-être plus de séquences de jeu et c'était pas vraiment le cas. Donc c'est là-dessus où c'était assez dur. D'entrée, vous êtes pris à la gorge avec beaucoup de vitesse, de mobilité, changement de direction, on renverse, il y a les défenseurs qui apportent le surnom, ça travaille fort dans les bandes, il y a du soutien. Et on a senti que vous aviez toujours un temps de retard finalement. Ouais, c'est un peu ça. Hein. On voit clairement une grosse différence avec les autres nations qu'on a jouées pour l'instant dans le temps et l'espace. Avec les Américains, dès qu'on avait le palais, il suffit qu'on fasse droite-gauche avec la palette, on avait tout de suite quelqu'un sur nous. Donc c'était assez compliqué sur ce domaine-là. Après voilà, c'est comme vous le disiez, c'est une grosse équipe. Mais dans ce genre de match, on aime essayer de garder le 0-0 le plus longtemps. Et c'est ça qu'on n'a pas réussi à faire. Il y a Quentin Papillon qui a fait un très bon match dans les deux tiers ouais. Suivants, quel a été le ressenti par rapport à sa prestation? Déjà, premièrement, on était super contents pour lui parce que voilà, il a fait vraiment une belle partie. Après, c'est assez rassurant aussi de voir que entre guillemets, le troisième gardien sur le papier est capable de faire des matchs comme ça. Donc non, il y avait beaucoup de positifs de ce côté-là. Le coach, il vous a dit quoi, la pause entre les premiers et les derniers, deuxième tiers-temps, quand vous êtes mené 0-4 Non, bah, c'est déjà d'essayer d'être plus en place défensivement et d'essayer d'aller chercher le prochain tiers. En fait, c'était d'un peu d'oublier ce qui s'était passé et de retourner à l'avant comme si le match était à 0-0. Et je pense que là-dessus, on a pu répondre. C'était un peu mieux. Alors, certes, Quentin a fait des gros arrêts aussi, mais voilà, on a tenu le 0-0 au deuxième tiers et après on avait le goût même d'aller chercher une petite victoire dans ce dernier tiers. Ça l'a pas fait, mais voilà. En tant que coach, Eric, comment on vit ces moments-là sur le banc, en plus en ayant son frère, sur les mots à faire passer? On sait que ça va être compliqué, mais voilà, par rapport à ce que vient de dire Sacha et peut-être les petits détails qui s'accumulent, qui font que c'est compliqué. Non, mais sur le banc, on essaie de... Je pense c'est de... donner des petits conseils, d'essayer d'amener de l'énergie positive. Moi, je pars du principe que le match appartient aux joueurs et qu'il ne faut pas donner trop d'informations à l'intérieur du match. C'est sûr que nous, on voit des choses du banc, des tribunes, à la vidéo, mais quand on est sur la glace, c'est une vision qui est différente et les choses vont très très vite. Donc à un moment donné, le joueur, pour performer, il doit aussi avoir le cerveau quand même libéré et jouer sur ses instincts. Et donc l'idée, c'est pas de donner trop d'informations et c'est de sentir le moment quand justement il faut essayer de dire le peu de mots, il faut essayer de les employer au bon moment. Mais c'est surtout de les aider, surtout quand c'est dur, et de trouver, de leur donner des solutions, des outils pour que ça aille mieux. Après, par rapport à hier, moi c'est ce que je disais par rapport à la question entre les tiers, je pense qu'on voulait être patient hier, être discipliné, et on a confondu un peu patience et passivité. Pour moi, surtout en début de match. Donc on se doit d'être agressif tout en étant patient, c'est pas la même chose. Et on a eu du mal à faire ça au début de match. J'ai une question sur l'offensive générale de l'équipe de France sur ces 4 matchs. On a le sentiment que c'est extrêmement difficile de marquer un but mondial, ça on le savait déjà, c'est pas un scoop. Mais peut-être parfois, ce que disait Pierre-Edouard Belmar dans l'interview il y a quelques jours, un petit manque d'égoïsme. Manque de spontanéité ou de prise de risque sur le tir qui fait qu'on passe des solutions en cherchant un jeu parfait. Est-ce que c'est le ressenti aussi Oui, j'ai pas mal d'actions en tête. Là, on regardait justement les vidéos où, sur des entrées de zone, par moments on cherche des jeux un peu compliqués, des passes à travers, alors que de diriger tous les pucks vers la cage avec des joueurs qui vont à la cage et qui amènent du trafic, c'est... Nous, on doit développer dans le groupe 1 contre des adversaires de meilleure qualité que nous sur le papier, qualité technique, vitesse, etc. On se doit d'avoir une offensive qui est très simplifiée et qui est directe et en première intention. Des joueurs qui n'ont pas confiance en leur tir peut-être, parce que c'est un peu quelque chose de récurrent finalement depuis ces dernières années. On a l'impression
voilà, de la difficulté à prendre le risque de tenter un tir, alors que on a vu quand Justin Dameau tente son revers assez improbable, et puis bah, il y a une erreur du gardien, ça rentre, quoi. Donc tout est possible finalement. Oui, non, c'est sûr. Après, je pense que c'est juste, c'est des, comme j'ai dit, c'est des choix. Au moment donné, il faut savoir que le joueur, bah, il, pour lui, à l'instant T, c'est la meilleure décision qu'il a prise. Donc après, oui, on peut regarder les choses à la vidéo, on doit corriger les choses et surtout connecter les intentions pour que les cinq gars sur la glace pensent de la même manière. C'est surtout ça le plus important. Là. Et oui, quand on joue les États-Unis, bah, c'est juste très, très difficile de se procurer de l'offensive, on le voit. Ils sont plus forts après, que l'an dernier. Lui, ça n'a rien à voir, le line-up, il n'a rien à voir. Là, c'est... Parce que s'il là, devait y avoir 9-0 contre la France. Non, mais oui, mais c'était pas la même équipe. Là, l'équipe était de. Après, ça reste c'est les États-Unis, donc ils ont un noyau de joueurs de haut niveau qui est très très large. Mais là, l'équipe qui c'est une équipe qui va aux Jeux Olympiques en 2026. Dans cette équipe-là, il y a au moins 12-13 joueurs. Prochain match, la Slovaquie, dans une patinoire qui va être. À Bratislava, on a été à Cracovie, on a été à Riga, tout dans un mondial, donc c'est sympa. Voyage, ouais, c'est plaisant. Mais vous aimez ça? Oui, alors ça, le joueur, c'est parfait, même qu'on est à l'extérieur, entre guillemets, en tout cas, après, c'est plus pour les joueurs, mais en tout cas, moi, quand j'étais joueur, c'est des super matchs de sentir cette atmosphère et toute une patinoire derrière. Ça peut aussi nous servir, nous, nous donner de l'énergie aussi. C'est une motivation supplémentaire d'avoir tout le public contre soi. Ouais, carrément. Déjà, de base, de jouer devant du monde, c'est juste, on va pas se mentir, hein, c'est très bête comme réponse, mais par rapport à certaines patinoires où on a l'habitude, où c'est vide, c'est le jour et la nuit. Et effectivement, là, d'essayer d'avoir cette envie d'éteindre cette patinoire bruyante, c'est une source de motivation et c'est ce qu'on a pu faire contre les Polonais assez rapidement, donc ça c'était le bon côté. Et voilà, je pense qu'il faudra essayer de réitérer ça contre le Slovaque. Ostrava, c'est une belle ville. Une belle ville de hockey, ouais. Et une ville tout court. J'ai connu des plus belles villes au niveau centre-ville, architecture et toutes les choses à visiter. Mais moi, j'ai habité 2 ans ici, donc je... Ah, Ostrava? Oui, j'ai joué ici, donc c'est pour ça que je connais bien la ville. Et par contre, c'est vraiment une ville à culture hockey et le sport ici est numéro un. Et il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de joueurs sont passés par là, des joueurs tchèques. Et il y a vraiment une grosse culture, une identité et un public très connaisseur. Et après, c'est très chaleureux, c'est assez dur à vivre quand on est nouveau et qu'on essaie de s'intégrer. Mais après, moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires ici. Je suis encore ami avec eux aujourd'hui. Mais... Ouais. Alors, il n'y a qu'une rue à Ostrava si on veut boire un coup. On a croisé quelques joueurs suédois au cours d'une soirée. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait assez... alors, pas forcément en veille de match ou autre, mais quand on a des joueurs off, est-ce que ça se fait d'aller boire une bière avec les coéquipiers? Partager sur cette question. J'ai pas dit que si vous le faisiez, on vous a pas vu donc. Non, mais moi je pars du principe que pour performer il faut être pro jusqu'au bout, donc après eux ils peuvent peut-être se le permettre. Mais moi j'ai envie de dire non. Et au niveau des coachs, on peut le faire? Bon, c'est pareil, le principe c'est d'être en forme le lendemain et être prêt à travailler. Après il faut aussi décompresser dans un mondial. Je pense que la plupart des pays, comme les Suédois, les Américains, les Canadiens, la première semaine, pour eux, on n'est pas dans la même dynamique de mondial. Et nous, on n'est pas les Américains et les Canadiens. Donc c'est différent. Les joueurs ici, c'est tout ça aussi une expérience culturelle. Les Canadiens viennent avec leur famille. La première semaine, les gars vont boire des coups quand ils le peuvent, quand ils ont un jour off le lendemain. Ils ont de la marge. Nous, aujourd'hui, on le voit, on a pas de marge. On est en dessous de ces grosses nations. Et nous, il faut qu'on mette tout de notre côté pour espérer compétitionner. Donc voilà. Sur les 10 ans de carrière là en bleu, enfin pour ma part en tant que spectateur, on a l'impression de faire un peu les mêmes analyses à chaque match comme ça. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à passer ce cap justement pour être plus compétitif? Alors évidemment les autres ne s'arrêtent pas, ils progressent aussi en même temps. Hein. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que nos joueurs français prennent pas assez de risques d'aller progresser à l'étranger? C'est jamais si simple de partir, évidemment, mais...
Non, moi je pense qu'il y a une progression. Après, c'est sûr que les autres équipes progressent, et effectivement. Les joueurs à l'étranger, je pense qu'aujourd'hui, on commence à avoir pas mal de joueurs qui s'exportent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la réalité pour les joueurs qui évoluent en Magnus. C'est sûr qu'ils doivent hausser le niveau de jeu. Ils doivent habituer le cerveau à calculer des situations à une vitesse qui est beaucoup plus rapide. Et ce cerveau, il s'habitue à ça avec de la répétition. Donc c'est sûr que c'est plus dur, mais bon, on a toujours une bonne préparation où les joueurs qui jouent en France peuvent faire au moins 4, 5, 6 matchs de préparation. Mais la différence, c'est que voilà, ces gars-là, ils jouent à cette vitesse-là, à ce tempo, et leur cerveau est habitué à calculer à cette vitesse tous les jours. Et donc pas c'est... avoir un Américain sur le dos immédiatement. C'est pour ça que c'est important aussi le petit stage de février, parce qu'en cours de saison, il te met un peu une piqûre de rappel du plus haut niveau. Et pour ma part, en tout cas, c'est très important de faire ce stage en février pour avoir ce petit shoot d'énergie en plus de haut niveau, et en plus de ça, c'est bail de playoff en France, donc ça te met direct un peu dans le bain. Bah, parfaite transition, je voulais aussi évoquer avec vous vos saisons. On va commencer par Yorick, la Suisse, vainqueur de la CHL. Champion, comment tu vis ton expérience en Suisse? Moi, c'est très enrichissant. Mes deux années là-bas, je pense avoir fait des pas en avant, moi en tant qu'individu, en tant que coach. Ouais, beaucoup d'apprentissage et deux années très riches en expérience avec un staff où j'ai pu beaucoup apprendre, et apprendre aussi des joueurs qui ont des grosses carrières. Donc c'était vraiment jusqu'à présent. Vraiment intéressant. Ensuite, vous utilisez les statistiques avancées dans le staff? Oui, un petit peu, jusqu'à une certaine... on regarde, on a des sites qui s'occupent de ça, c'est calculé par des... Exemple? Nous, on utilise Data Cockpit, ça s'appelle 49ing, c'est tous les clubs suisses l'ont, et sur chaque match, il y a tous ces détails-là de stats avancées, il y a un gros détail. Donc après, voilà, il ne faut pas trop s'éparpiller, il faut savoir ce qu'on cherche et pourquoi, et puis on prend en compte, évidemment, on regarde ça. Notre head coach est très, très porté là-dessus, il analyse tout, donc oui. Et il y a aussi un site NL Ice Data, c'est quelque chose que vous utilisez aussi ou pas? Ben alors eux, c'est privé, on n'est pas sous contrat avec eux, donc eux, ils travaillent uniquement avec les équipes sous contrat. Mais on a été en approche un peu avec eux, ils nous avaient fait une démo sur un ou deux matchs pour voir, et puis voilà. Ça n'a pas été concluant? Pour l'instant, non. La saison à Grenoble, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu en dents de scie, hein. On a connu des beaux petits moments, on avait une équipe pas trop mal, je pense. J'ai quand même... ouais, des bons souvenirs. Après, c'est vrai qu'on a ce gros échec en demi-finale. On pensait tout simplement pas perdre à ce niveau-là de la compétition. Après, quand on fait un pas en arrière, comme je disais, on a quand même cette finale de Coupe de France avec certes une finale contre une D1, mais encore une fois, qui s'est battue vraiment de la meilleure des façons. Après, je regarde aussi notre parcours général qui a été pas trop mal. On a battu des belles équipes, dont Rouen à l'extérieur. Donc, non, il y a des choses positives. Et puis après, il y a ce qui s'est passé à la fin. On est tombé, on en parlait justement, hein, sur un grand Quentin Papillon qui nous a fait du mal. Parce que je pense que dans le jeu, on avait le contrôle de ce palais, on avait les shoots, les occasions, mais toujours, on n'a jamais su. Passer le palais derrière sa ligne, donc c'est là-dessus où ça nous a fait défaut. Et puis on avait confiance en nous jusqu'au bout que ça allait le faire, et puis petit à petit tu avances dans les matchs et tu te rends compte que ça se resserre, et puis un beau matin c'est le dernier match, et puis c'est encore les mêmes choses. Non, beaucoup de crédit à cette équipe de Bordeaux qui a vraiment su nous jouer de la bonne manière, hein. Même si on a les occasions, même si nous avons quand même rien donné proche de la cage, on a quand même été beaucoup sur les côtés. Donc non, franchement, là-dessus, déçu. Et puis voilà, on va apprendre de ça en espérant que ça,
ça crée de l'expérience de groupe pour ne pas réitérer les mêmes choses. Mentalement, c'est dur des playoffs, de part et d'autre? Ou c'est un peu comme un championnat du monde? Bah, mentalement, moi j'ai envie de dire non, parce que c'est ce que tu attends depuis le début de l'année, quoi. Tu joues pour ces moments-là, tu t'entraînes pour ces moments-là. Donc, moi je trouve qu'il n'y a que des bonnes choses avec les playoffs, une grosse excitation, l'envie de faire bien et d'aller jusqu'au dernier match possible. Donc, moi je dirais non. Et en tant que coach, en Suisse ou ailleurs, il y a quelque chose? C'est chargé pour les coachs. Il y a une préparation spécifique, un peu plus, encore plus affinée qu'en saison régulière en termes de scouting. Moi, c'est une partie dont je m'occupe. Donc, c'est dur parce qu'on enchaîne les matchs et puis les matchs à haute attention, pression. Et c'est ce qu'on aime, comme disait Sacha. Donc, on se prépare pour ça. Mais je sais que l'année dernière, l'aventure de play-off en Suisse pour aller au bout, c'est pas facile. Alors justement, le scouting, on t'a beaucoup vu en tribune aussi pour étudier les adversaires des Bleus. Qu'est-ce que tu regardes spécifiquement sur les matchs? Tout. Tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, la manière dont ils font les sorties de zone. Exactement, les pressings, pressing. Les situations différentes, les engagements. Les joueurs à surveiller. C'est plus collectif, mais évidemment, s'il y a des forces spéciales. Mais quand on prend les États-Unis, ils sont tous très bons, attention à tout le monde. Donc ça sert à rien de dire ça, on est d'accord. Et après, il faut aussi savoir mettre l'emphase sur nous et au final avoir des bases et une structure qui nous permet d'évoluer contre n'importe qui en se concentrant sur nous. Parce que si on s'occupe de l'adversaire, de tout ce qu'ils font dans le détail, ça devient trop. Mais pour nous, les coachs, c'est important de bien les connaître et puis après essayer de filtrer au maximum l'information pour les joueurs pour qu'elle soit retenue et efficace. Et pas que ça vienne brouiller les têtes. Et la Slovaquie, du coup, le scouting report, c'est quoi? La Slovaquie, c'est d'un côté, c'est un peu similaire avec les Américains en termes de ce qu'ils veulent faire structurellement. Après, ils ont des habitudes un peu différentes quand même. Mais c'est pareil, ça va très vite vers l'avant. C'est un jeu qui est très simple. Et leur coach est nord-américain. Il n'a rien réinventé. C'est juste du hockey bien joué avec des joueurs qui ont de la vitesse. Et ils jouent tous ensemble et il y a beaucoup de sacrifices. Plus de physicalité peut-être aussi du côté de la Slovaquie. Plus de, pardon. De physique. Que les Américains. Ouais. Je sais pas. Pas de la même manière peut-être plutôt. Ouais. Non, je pense que les Américains c'est juste un cran au-dessus quand même. Ouais. La Slovaquie ça reste. Il y a des très bons joueurs, mais voilà, je pense qu'on a les armes quand même pour aller plus les inquiéter et c'est ce qu'on va essayer de faire. Les deux jeunes de 20 ans, là, Slovaque, sauf que ce qui n'est match, c'est hallucinant quand même de faire des choses comme ça, c'est un jeune. Bon, vraiment, ils faisaient pareil il y a 2 ans déjà, ils avaient 17 ans, donc non, ils sont dans la continuité. Et puis, c'est presque... On en rêve de sortir des joueurs comme ça en France, hein. Comment on fait? Bah, si j'avais la recette, je la mettrais bien à disposition. Non, mais c'est pas simple, mais... Je pense que nous c'est compliqué, on voit qu'on a du mal à intégrer déjà les jeunes dans notre Ligue Magnus et la Ligue Magnus aujourd'hui c'est pas une référence qu'on voit par rapport pour que les jeunes soient draftés au niveau mondial et être des top prospects. Aujourd'hui nous nos joueurs qui évoluent dans le simple championnat junior c'est juste on est encore à des années-lumière donc c'est pas grave, nous on se développe un peu plus sur le tard de la part de notre réalité, le niveau qu'on a aujourd'hui en France. Ensuite, voilà, les joueurs qui peuvent le faire, d'essayer de s'exporter, c'est ce que les Norvégiens font, les Danois, c'est la réalité. Ils vont jouer en Suède, ils sont dans des endroits où ils ont de la visibilité avec les meilleurs joueurs au monde, où ils partent, tous les Tchèques, les meilleurs, les Slovaques, ils partent au Canada jouer. Donc eux aussi font de la même manière, la plupart des gars, ils les développent pas non plus eux, ils sont auto-développés dans l'environnement qui est compétitif dès le plus jeune âge. Nous, nos meilleurs joueurs, ils n'ont pas de compétition quasiment à travers toute leur carrière en grandissant. Il y a très peu d'adversité parce qu'ils sont dominants dans leur club. Et que l'adversité, les hauts niveaux, ils ne la connaissent qu'aujourd'hui. Je prends l'exemple d'un Simonsen Thomas qui est un joueur plein de talent et qui a été dominant en France aujourd'hui. Là, c'est un nouveau niveau qu'il découvre. Donc aujourd'hui, de lui dire « tu fais pareil qu'en Magnus ici », c'est beaucoup demandé. Donc voilà, c'est un apprentissage et nous, nos joueurs se développent un peu plus tardivement, c'est comme ça. On a eu ce problème-là déjà dans les années précédentes avec des profils comme Loïc Lemperrier, Anthony Guti qui ont eu des carrières au Magnus exceptionnelles.
et qui arrivaient au mondial terminent leur carrière avec un ou deux buts marqués parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le cap pour être efficace devant la cage mondiale. Ouais, après, ouais, non, c'est sûr que c'est plus compliqué de produire au mondial qu'en France. Et puis en maturité, quand même, on marque peu de buts en tant qu'équipe. Donc, et après, ces joueurs-là ont fait un super job. Loïc était aussi plus dans un rôle différent quand il était utilisé en équipe de France. Donc, mais ouais, là, c'est sûr qu'il y a un fossé. Et... Est-ce que le public le mesure, ça ? Parce qu'on voit beaucoup de commentaires circuler à droite à gauche et on a l'impression que le public ne le mesure pas réellement cet écart. Ouais, peut-être pas, je ne sais pas. Ouais. Sûrement, peut-être pas vraiment, ils ne se rendent pas bien compte peut-être de la différence, je ne sais pas. Il y a de plus en plus de joueurs français qui vont aux États-Unis, dans différentes, enfin Amérique du Nord, différentes filiales. Ça, c'est une bonne chose pour le hockey français. Oui, c'est ça. Bah, moi, je veux dire, à un moment donné, s'ils peuvent aller évoluer dans les meilleurs championnats au monde, bien sûr que c'est une bonne chose si c'est le projet personnel de l'individu, que c'est sa volonté, qu'il a envie de le faire. Qu'il fasse ça, c'est parfait. Après, en France, on peut aussi encore amener des joueurs. On voit Alex Texier qui, lui, est resté quasiment en Magnu jusqu'à 17 ans. Et puis après, oui, il y a eu l'étape de la Finlande. Mais il a réussi quand même à se faire repérer tout en restant en France. Donc, c'est pas non plus impossible. Mais c'est sûr que, comme je l'ai dit, d'aller dans ces championnats compétitifs, entourés de compétitions au quotidien, où tu dois, à chaque entraînement, gagner ta place. Et ça, aujourd'hui, en France, on l'a pas. C'est la réalité. Donc, Vous avez des contacts avec les scouts qui sont ici ? Quand ils scoutent la France, il y en a probablement que tu connais ? Oui, moi j'ai des amis un petit peu, donc j'ai des petits contacts. Ils m'écrivent en me demandant des fois ce que je devrais garder un œil sur un tel ou un tel, mais ça peut arriver. Mais... C'est juste des anciens joueurs avec qui j'ai joué qui sont dans des postes comme ça aujourd'hui. Et là, sur ce mondial, il y en a qui t'ont contacté pour certains joueurs de l'équipe de France ? Oui. Exemple ? Quel joueur ? Non, je préfère pas le dire. C'est pas toi ? C'est pour moi. Tu vas où alors ? Tu quittes Grenoble ? Ouais, je vais au Colorado. Ouais, c'est ça. Non, mais Grenoble un jour, Grenoble toujours, pour tous les deux. Puis je pense que ce sera le dernier point. Je sais pas si on peut dire ça pour moi. J'ai dû passer 2 ans sur les 25 dernières années à Grenoble. Donc, t'as pas envie d'y retourner ? Voir ma famille ici. Après, aujourd'hui, dans mon métier, c'est pas une option aujourd'hui. Donc, on verra. Et toi ? Et moi, oui, bah moi, c'est un peu différent. Hein. C'est mon club depuis tout petit, même si j'ai fait un passage à Rouen pour rejoindre le frère, un très beau passage que j'ai vraiment apprécié d'ailleurs. Grenoble reste mon club de cœur et là où on a toutes nos familles. C'est pareil du côté de ma femme, donc c'est vraiment notre entourage là-bas et oui, pour moi, ce sera jusqu'à la fin. Bah écoutez, merci messieurs pour votre temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vos réponses vraiment très intéressantes. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne continuation. Bon mondial. Merci à tous. Merci à vous. Salut à tous. Faites des bisous. Suivez-nous sur les réseaux et puis à très vite. En espérant que ça vous ait plu, dites-le nous. Salut.